la présence de Dieu. Oui, le Seigneur a pris le pain et les poissons, les petits pains et les petits poissons. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Et les gens pouvaient manger. Tu vas manger. Je te dis que tu vas manger. Le pain que tu as dans ta maison, je donne un commandement par l'autorité de Dieu qui est sur moi, par l'onction de Dieu qui est sur ma vie, dans ma vie. Le pain que tu as, cela va s'agrandir. Tu vas manger, toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ton oncle, ta tante, et tout ton avenir. Vous allez manger et il y aura encore assez. Ils ont pris 12 paniers. Et après que le peuple eut mangé, ils ont eu 12 paniers. 12 paniers. Ils ont eu 12 paniers en réserve. Alors je te dis, mon frère et ma soeur, je te dis, ça c'est la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu dans ta vie. Le Seigneur n'a pas honte de multiplier ce que tu as. Le peu d'huile, nous avons vu ça, nous avons vu avec les prophètes aussi. L'huile, le peu d'huile qu'il y avait dans la maison, il a multiplié l'huile jusqu'à ce qu'il n'y avait pas d'endroit où mettre l'huile. Et l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit est là maintenant pour faire la même chose. Et le peu que tu as, Jésus-Christ va le multiplier. Le peu que tu as, l'Esprit de Dieu entre maintenant dans ta maison pour les multiplier. L'Esprit de Dieu entre dans la maison pour les multiplier. Et tout esprit de l'ennemi qui était dans la maison pour empêcher le surplus de Dieu, l'Esprit de Dieu les chasse. La puissance de Dieu, par l'apparition de Dieu, l'ennemi fuit. Quand Jésus-Christ entre, l'ennemi fuit. Quand la présence de l'ennemi fuit. La présence de Jésus chasse l'ennemi fuit. Parce que Jésus-Christ entre dans ta maison par la parole. Dieu, c'est la parole. Cette parole que tu reçois dans ton cœur, c'est une lumière qui entre pour chasser tous les œuvres du ténèbre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors quand les gens là, ils étaient, ce qui faisait que les gens là puissent avoir faim, ce qui faisait que les gens là...